Quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, ce soir, je n'ai absolument pas vu le match, mais je tiens à féliciter tous les Sénégalais. Je ne sais pas combien vous avez gagné, mais en tout cas, ce que vous avez fait, c'est du grand travail. Phase de poule, un but. Et depuis que vous êtes arrivé en phase finale, vous en êtes au moins à 9 à 10 buts. Je ne comprends pas comment votre sorcier fonctionne. En tout cas, votre sorcier, c'est un sorcier de qualité. Il a su mettre les choses là où il fallait. Nous, les Maliens, on n'a rien compris. Si on était tombé contre vous, vous allez nous laminer, nous montrer que dans la cuisine, vous êtes meilleurs que nous. Le tchèb, on ne met pas de banane dedans. Nous, on a compris. Voilà, donc grosse force à tous les Sénégalais, à tous les Waïsamandei, à tous les Gordigen, grosse force à tous les Sénégalais qui vont actuellement en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas se mentir, c'est vous. Vous méritiez, vous étiez trop fort sur le papier. Cette année, vous avez la possibilité de montrer à toute la terre entière que vous méritez une place dans le monde des grands de ce football. Donc, ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas à tous ceux qui vont être jaloux et parler de vous en mal. Et oui, que ça soit les anciens, que ça soit les nouveaux, soyez forts et fiers de votre pays et surtout fiers de votre parcours. On vous a tous critiqué. Moi le premier, tout le monde a critiqué le Sénégal. Ouais, mais vas-y, eux, ils vaut rien et tout, nanana. Regarde, ils ont mis qu'un seul but sur pénalty. Regarde, mais maintenant, au top du top de l'Afrique. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Hein? En tout cas, grosse force à vous. Grosse force au Burkina Faso, qui n'a pas su maîtriser la cuisine des Sénégalais. On ne va pas se mentir, quand les Sénégalais ils se mettent en cuisine, ouais, Samandei, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Grosse force à tout le peuple sénégalais qui nous soutient, en plus, peuple malien, dans ce que nous traversons. On vous regarde, on n'oublie pas. Et en tout cas, cette Coupe d'Afrique, elle a été absolument géniale, magnifique. On a pu voir que là, les terrains pour les phases finales, ils sont très, très bien accueillants. C'est dommage que les terrains n'aient pas pu être traités avant pour que tout le monde puisse jouer sur ce terrain magnifique. En tout cas, le Cameroun, vous pouvez être fiers. Là, on attend la prochaine demi-finale. Ça va être chaud. Chaud, Cameroun, Égypte. Vous vous rendez compte? Là, on a eu droit à un Sénégal-Burkina Faso, une guerre entre Africains de l'Ouest. Et c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur. Grosse force à vous, les Sénégalais. J'ai pas vu le match. Faites-moi un débrief. Qui a marqué? Qui est-ce qui vous a délivré? Qui est-ce qui vous a ramené en finale? Qui est-ce qui a fait? Est-ce que c'est Sadio Mané? Sadio Mané a encore frappé? Parce que là, on va pas se mentir que cette Coupe d'Afrique des Nations, elle a reposé sur Sadio Mané, sur Mossala, sur Vincent Aboubakar, sur Karl Toko et Kambi. On va pas s'en mentir, les gars. On va pas se mentir. Et aussi le gardien égyptien, là. Ouh, ne t'inquiète pas qu'on t'a vu. On t'a vu faire du travail absolument exceptionnel. Grosse force à tout le peuple sénégalais qui atteint la finale en premier. On attend avec impatience le Cameroun face à l'Égypte. On est chaud, on est bouillant. Grosse force à toute l'Afrique.